Alors, nouvelle petite vidéo que je vais essayer de faire courte, parce que je parle beaucoup, mais je vais essayer de parler un peu moins, où je vais parler d'une première approche des textures et des matériaux. Donc dans la vidéo présente, on a juste créé un matériau qu'on avait appliqué dessus, là, le matériau bleu. Et maintenant, ce matériau, je vais lui mettre des textures pour qu'il ressemble à quelque chose de connu. Donc je vais prendre des textures. Alors, moi, ce qui est bien, c'est que j'en ai pas mal en stock normalement. Donc, texture. Voilà. Qu'est-ce que je vais trouver? Du sable. Ça peut être drôle ça. Donc là, j'ai du sable et j'ai des maps de texture. Donc c'est quoi des maps de texture? C'est que j'ai la texture diffuse, dite diffuse, c'est comme ça qu'on l'appelle. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est la photo. Donc là, c'est du sable un peu foncé, de la terre. Et puis de cette texture, il y a des interprétations de la même texture dans d'autres espaces colorimétriques, j'ai envie de dire. Donc là, il y a un dégradé de noir et de blanc de la même photo qu'on appelle le displacement et qui va créer du relief, mais vraiment du relief sur le plan en fait. Et ça, c'est une texture normal map qui elle aussi crée du relief, mais de manière plus, c'est plus une illusion qui accroche la lumière. Mais ça, c'est peut-être pas clair ce que je vous dis là, et je vais tout de suite illustrer mes propos. En glissant ces trois textures dans Unity, ça sera plus clair. Hein. Une démonstration, ça vaut mieux que de longs discours. Donc on retrouve mes textures ici. Je clique sur le plan, et dans donc Albedo, ici, je vais glisser. C'est comme diffus, Albedo, pour ceux qui connaissent diffus, c'est plutôt diffus en général qu'on dit dans les logiciels 3D. Donc c'est la photo, je la glisse ici. Surtout. On voit que ça a changé, là ça s'est actualisé, mais j'enlève le bleu. Je repasse bien en blanc pour qu'on voit vraiment la couleur de ma texture. Je lui retire le côté brillant pour l'instant. En tout cas pas métallique, la terre c'est pas métallique. Hop, voilà. Et je vais glisser les autres textures dans les canaux qui sont. Enfin surtout, on va dans un premier temps utiliser le normal map. Donc normal map, ici je la glisse dans normal map. Hop, et on voit déjà le relief qui s'est créé. Alors il me dit de fixer. Alors là, vis texture, is non. Il suffit de dire que c'est un normal map. Donc voilà, je clique. Et j'ai une valeur en face de normal map qui est de 1. Donc je peux augmenter ou baisser. Et si je vais juste à côté du cadre ici, j'ai deux petites flèches qui apparaissent. Et là, il me suffit de cliquer et d'aller à droite ou à gauche. Et je peux, voilà, faire varier la valeur. Donc en général, on fait varier entre 0 et 1. Ou voir dans le négatif si je veux inverser le relief. Mais en gros, je vais le laisser à 1. Même pas comme ça. Et je vais jouer avec la brillance, faire briller un petit peu. Et on voit ce qui se passe. En fait, j'ai l'illusion qu'il y a du relief. Allez, si voilà, faut voir ça avec la lumière. J'ai l'illusion qu'il y a du relief sur ma texture, alors qu'il n'y en a pas du tout. C'est le normal map qui donne cette illusion-là. Hop. Et si je le retire, si je le mets à 0, c'est tout plat. Si je le mets à 1, ou à, je sais pas, 0,5. Mais en fait, il n'y a pas de relief, parce que si je me place vraiment comme ça, à l'aplomb de la texture. Mais elle est plate quoi en fait. Elle est plate, y a rien. Vous voyez, je me mets en vue orthographique de face. Il n'y a aucune relief. Il n'y a rien, il n'y a aucun relief. C'est de l'illusion. C'est du normal map. Donc le normal map, c'est la texture là qui est en dégradé de violet. Et chaque couleur est interprétée en termes d'accroche de la lumière, quoi. Ce qui va créer cette illusion de relief. Donc c'est utilisé tout le temps. Si je veux du vrai relief, c'est le displacement que je vais mettre dans IMAP ici. Et là, par contre, faut y aller mollo parce que c'est super gourmand en ressources, parce que ça va vraiment déformer le mesh là pour le coup. Et c'est pareil là, sauf que c'est moins une illusion, c'est vraiment le mesh qui se déforme. Alors en temps réel, ça marche bien. Dans les logiciels où on calcule les lumières, là c'est beaucoup plus long. Donc si vous faites un baking de la lumière après, ce qu'on verra plus tard, on va éviter de mettre du IMAP. Donc l'IMAP, de toute façon, là, pendant un premier temps, je retire. Et je vais laisser celui-là. Qu'est-ce que je peux paramétrer quand j'ai juste deux maps comme ça? Je peux paramétrer la taille. Ici, c'est le tiling. Si je l'augmente, bah, ma texture, alors je le mets à pareil, va voilà, rapetisser, se mettre à l'échelle en fait. Et si je mets une valeur, par exemple 0,2, bah, là ça va être beaucoup plus gros. Alors je vais mettre 5 et 5 par exemple. Voilà, il suffit que je mette un peu d'eau et j'aurai l'impression d'être à la plage là. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera peut-être dans le cours d'après, mettre un petit peu d'eau dessus. Là, je ne vais pas pouvoir modifier tout de suite dans un premier temps. Là, par contre, là, je ne peux pas pouvoir sculpter mon modèle. Mais je vous montrerai quand même une petite astuce pour sculpter le modèle. Genre, si je veux faire un trou et mettre de l'eau juste sur ce plan-là, je peux le faire
Unity permet de le faire avec un plugin qui est gratuit qui s'appelle Polybrush. Et pour ceux que ça intéresse, Polybrush, si ça vous intéresse, j'ai un tuto sur la chaîne qui est spécifiquement dédié, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Voilà, donc par exemple sur la sphère ici, je vais essayer de mettre une autre texture, voir ce que ça donne. Alors où est-elle la sphère? Elle est là. Je vais aller chercher d'autres textures. Et par exemple, alors je vais faire vraiment n'importe quoi, mais une texture de béton. Hop, je vais prendre juste le diffus et le normal. Et ah tiens, un peu de spéculaire, comme ça ferait une map en plus à voir. Je glisse ici dans matériaux. Alors tout se mélange un petit peu, donc il faudrait idéalement ranger. Mais bon, j'ai deux matériaux que j'aurais bien retrouvé. Je fais un clic droit ici dans l'onglet Asset, dans l'onglet dans mon dossier matériaux que j'ai créé, et je vais créer donc un deuxième matériau. Tac, et je vais l'appeler béton. Et sur béton, donc je vais glisser mes maps, du coup le diffus, le normal map, il me demande de le fixer tout de suite, je le fais, et le métallique, enfin le spéculaire, je vais le mettre dans métallique, ça va gérer les reflets. Et ce nouveau matériau, je le glisse sur la sphère. Et je vais pouvoir, pareil, jouer avec l'amplitude du truc. Donc on voit le côté métallique qui est apparu parce que j'ai mis une map spéculaire et qui était réglée à fond sur smoothness. Donc smoothness, c'est la brillance. Moins je retire, moins ça brille, et plus je... c'est la réflexion, quoi. Je vais faire un truc comme ça. On voit que l'environnement se reflète dedans, donc le sable et le ciel se reflètent dedans. Et si je laisse tomber, bah tout ça, ça se met comme tout à l'heure, mais avec des jolies petites textures. Et je joue à la baballe sur la plage en trois clics. Donc voilà un début d'explication de comment fonctionnent les matériaux avec, en mettant quelques maps de textures. Alors si vous vous demandez comment on crée là ces maps, ces maps à partir d'une photo, et ben j'ai un tuto qui en parle, et c'est moi j'utilise Crazy Bump, qui est un logiciel qui permet de faire ça mais qui est payant, et j'utilise aussi un site gratuit qui s'appelle Normal Map Online, qui fonctionne en online en fait, comme son nom l'indique, c'est-à-dire c'est un site internet où je vais glisser par exemple une photo, par exemple celle-ci. Si vous récupérez sur internet cette texture, donc il faut récupérer sur internet la texture diffuse, donc là par exemple le béton. Je le glisse tout simplement ici et ça me génère les maps dont j'ai besoin. Donc là, si je veux une map normal map, je viens ici, ça me génère la map. Là, j'ai un aperçu, mais qui est pas top, hein. Franchement, faut pas trop s'y fier. J'ai un aperçu de ce que va donner normal map. Alors là, j'ai la puissance de normal map, donc faut pas que ça devienne dans des couleurs comme ça, là, un petit peu verte. En gros, vous le mettez à 1. Hein. Mettez à 1, et puis vous réglez le blur, donc c'est est-ce que c'est... un peu flouté ou pas, donc c'est bien, parfois c'est bien que ce soit un petit peu flouté, à vous de voir un petit peu comment vous voulez faire, comme ça c'est pas mal, voyez. Et je vais lui donner un nom, par exemple je vais l'appeler béton NRM, comme normal, c'est comme ça qu'on fait en général, et je télécharge. Donc là ça me télécharge une map, et en partant de cette texture de béton là, j'arrive à ça, et quand je conjugue les deux sur, sur Unity, et ben j'arrive à ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire... ce style de résultat sur le béton ou ce style de résultat sur le sable, si je mets une texture de sable, enfin bon, vous avez compris le principe. Pareil, j'ai sur la chaîne un tuto complet qui parle de ça, de la création de textures, et je parle de Normal Map Online un peu plus en détail, et de, aussi de Crazy Bump qui permet de faire des textures comme ça. Il y a d'autres outils, hein. Il y a d'autres outils, mais ces deux-là sont vraiment simples à utiliser. Bon, c'est à peu près tout pour cette vidéo, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler dans la prochaine, mais on va essayer de découvrir un autre côté du logiciel pour essayer d'avancer de manière sympa, quoi. Voilà, je vous dis à bientôt.